Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un jeu Master System Sega Mark III Hokuto no Ken, c'est la version japonaise de Black Belt. Alors un jeu très dur, on va essayer de le faire en une seule fois, mais à mon avis ça va nécessiter plusieurs prises. Je marquerai le nombre de prises à la fin du jeu. Donc sachez qu'il y a des petits tips, par exemple si vous battez un ennemi de ce type sans perdre de vie, au niveau d'après vous avez la possibilité de traverser le niveau en sautant sans vous faire toucher par les ennemis. On va essayer de le faire, c'est assez compliqué, on verra ça le moment venu. Donc on se lance tout de suite dans la partie sur Hokuto no Ken sur Sega Mark III, la Master System japonaise. Le stage le plus dur étant le stage 4. Bon bah là je me suis fait toucher donc c'est raté pour le tips. Alors, deuxième petite astuce qui se passe au niveau des secondes et des décors. Là vous allez voir un temple avec une tête de chien, voilà. Donc vous mettez ici, vous tapez quelques ennemis, faites un petit saut comme ça, voilà, vous attendez un petit peu, un P va apparaître. Voilà, maintenant vous êtes invincible pendant quelques secondes, donc profitez-en pour
avancer dans le stage. Deuxième chose, à 80 secondes, lorsqu'il vous reste 80 secondes, faites un grand saut vertical avec à donner un coup de pied. En général, il y a un bloc d'énergie qui apparaît. D'habitude je passe nickel, bon ben voilà, on va commencer. Alors ça va commencer à se corser avec le stage 3. Je vais faire un perfect, c'est loupé. Alors
le stage 4, c'est le stage le plus dur. Parce que vous avez des ennemis qui vous arrivent de partout et surtout il y a des lance-flammes. Ça, c'est le stage le plus dur. Plus chiant dans ce stage, ce sont les oiseaux. Alors n'oubliez pas qu'à 80 secondes, vous pouvez avoir une petite aide, on va dire. Là, je suis en train de m'embrouiller. C'est vraiment le stage le plus dur. Là où vous allez perdre pas mal de vie, ainsi que le cinquième avec le lance-flammes. C'est l'oiseau qui vous touche à chaque fois. Alors, ennemi assez particulier, je vais me concentrer. Voilà, là j'ai fait un perfect, donc ce sera bien. Donc ces ennemis-là, il faut en fait reculer, attendre qu'ils tapent et tout de suite vous enchaîner. Alors là, le tip, ce que je vous ai dit, donc je vais tout de suite sauter en diagonale en haut à droite, le gros saut, en appuyant sur la touche B, enfin la touche B, la touche de coup de pied. Et logiquement, il devrait traverser l'écran d'une seule traite. Voilà. Ça vous permet d'éviter pas mal de trucs. Donc vous voyez, essayez de faire des perfects au boss. Ça vous évite de devoir passer tout ce stage qui est vraiment une calamité. Alors là, on va tomber contre Souther. Un ennemi encore particulier, il faut se battre en reculant. Donc on va essayer de le faire. Enfin, il faut... Vous voyez que la barre de vie ne baisse pas. Et en fait, il faut l'intercepter en vol. Voilà. J'ai une paix.
Voilà. Alors, on va en arriver au dernier boss. Hein. Le dernier boss, vous sautez, vous donnez un coup de pied, vous reculez, vous sautez, vous donnez un coup de pied, vous reculez. Toujours comme ça. Vous pouvez essayer d'enchaîner un coup de poing, mais faites attention. Voilà, vous voyez, quand vous avez réussi à coincer, tout s'est enchaîné et timé bien. Alors, il y a une petite astuce, juste après la fin du jeu, pendant qu'il sort de l'écran avec Julia, vous tapez sur le haut de votre pad pendant plus de 20 fois, et vous allez avoir le mode de boss rush. Alors, je ne l'ai jamais fini, hein, parce que je ne me suis jamais appliqué dedans, on va le faire en direct, on verra bien ce que ça donne. Donc là, vous avez la fin du jeu, et ensuite, pendant qu'il sort de l'écran, vous vous appuyez plusieurs fois, au-dessus de 20 fois, je pense. Je sais rien, j'appuie plusieurs fois, moi, à chaque fois. Voilà, donc c'était Okutonoken sur Sega Mark III, qui est équivalent à Black Belt sur la version PAL, la Master System, avec quelques petits changements. Donc là, il sort de l'écran, hop. Je fais plusieurs fois, là. Pas si ça a marché. Si ça marche, ça marquera stage 7. Voilà, stage 7. Donc là, c'est un mode boss. Vous avez que les boss à combattre. On va voir hein, si on arrive à le faire, tant mieux, sinon bon bah voilà quoi, on aura déjà fait le tour du jeu. Alors pour moi c'est un très bon jeu sur Ken le Survivant. Dommage qu'il ne soit jamais sorti en France. Alors, lui c'est pareil, pour essayer de le. Logiquement lui pouvait essayer de le bloquer dans ce coin. Heureusement que votre barre de vie remonte à chaque fois. Ben, j'ai dit n'importe quoi parce que la barre de vie n'est pas remontée. Perfect, là peut-être ma barre remontera un petit peu.
que là c'est pas trop mal. La sauzeur. Il me reste plus beaucoup de vie pour le dernier boss qui, dès le départ, vous donne un coup. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, le départ, il vous donne un coup, oui. Donc je sais pas. Ah bon, ça va, ça me prend une vie. Je crois que ça allait faire un game over. Là, faut bien timer parce que sinon il se sort de vos griffes. Voilà. Alors, écoutez, on a fait le boss rush aussi. Donc on va voir ce qui se passe à la fin. À mon avis, ça revient à zéro le jeu, hein, simplement. Voilà, donc Gutonoken plus la deuxième fin. Écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo rétro gaming sur la chaîne de White Shadow.